Bien, Jean-Michel Bazir, au Brillant du Gers, bah, finalement, c'est un super cheval. Et on peut dire que c'est le meilleur hongre de France actuellement ? Peut-être, j'espère. Je pense aussi, oui. C'est que le cheval, ouais, il a fait que de progresser depuis 2-3 ans. Là, il a des niveaux assez incommensurables. Le parcours, ça, c'est tout à fait à sa convenance. Oui, c'est 2008. Mais en route est toujours un peu scalp-prose avec lui, mais après il en roule, peut faire fort. Hein. Course visée évidemment. Bah, disons qu'elle est bien dans son programme, parce que le cheval a couru régulièrement, il a gagné des courses, et là cette course-là elle tombe à un mois de sa dernière course, et elle est parfaite quoi. Val Royal, que dire de ce cheval ? Très bien, le cheval est parfait. S'il lutte pour la victoire, ça ne m'étonne pas. Il peut même battre au Brillant du Gers ? Non. Il peut battre, mais il va être là. Ouais. Et c'est un cheval qui apprécie aussi le parcours. Hein. Ah oui, aucun problème. Il progresse là ? Bon, il progresse, non, il ne progresse plus, mais disons qu'il a, un niveau qui laisse espérer qu'on est dans les trois. À suivre Jean-Michel Bazir dimanche alors.